Nabdi tout le monde, bonjour, bonsoir, tout dépend de qui le et qui côté va regarder l'émission. C'est un plaisir pour nous avoir aujourd'hui, hein, sur le petit écran, nous allons parler aujourd'hui de bonnes informations. Encore une fois, émission SOS Haïti, Vinla Kayo, pour vous donner bonnes informations, pour partager bonnes informations avec vous. Et comme d'habitude, nous avons avec nous Miss Matt. Miss Matt, bonjour. Bonjour, Dr. Alexis. Bonjour, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Aujourd'hui, nous comptons avec nous sur chaîne télévision Pacifique, chaîne 54. Avec émission SOS Haïti. Mon plaisir pour être capable de gagner avec nous sur le plateau. Ils ont invité de marque, ont invité d'honneur. Bonjour, monsieur Saint-Jean. Bonjour, docteur Alexis. Il nous dit bonjour à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices. Nous partis pour une bonne émission. Bon, pour nous toucher un pile problème. Voilà. Aujourd'hui, le thème émission, c'est médicaments. Nous allons parler de médicaments qui sont problèmes en Haïti, qui sont en termes de gestion, qui sont gros dangers pour la population. Et aujourd'hui, nous avons M. Pierre Hugues qui parle présenter le Fanatique et qui parle parler nous de médicaments. M. Pierre Hugues qui présente le Fanatique. Ok, bon, moi, je suis Pierre Hugues Saint-Jean, moi, je suis pharmacien, moi, étudie dans la faculté de médecine et de pharmacie, j'ai un master en santé publique que je fais dans l'université Kiskeya, et puis j'ai pas mal d'autres formations. J'ai une formation en pharmacie clinique que j'ai fait aux États-Unis. À Conchilon Hospital, et j'ai une formation également en entrepreneuriat pharmaceutique que j'ai fait en Chine. Donc, bon, pas mal d'autres formations, donc c'est pas la peine de citer. Voilà, les autres formations sont peut-être bien remplies. Voilà. C'est bien. Et voilà, sur le fanatique, on a une chance aujourd'hui, on a M. Saint-Jean qui a un pile d'expérience, qui a un pile de connaissances dans le domaine et qui peut partager l'information avec nous comme d'habitude. Je crois que M. Saint-Jean, ou représentant l'association, ou capable de l'association, Moi, c'est. Président de l'Association des pharmaciens d'Haïti. Donc, l'Association des pharmaciens d'Haïti, c'est une association qui est créée en avril 1978. Donc, l'association est là, qui a regardé et discuté, regardé, réfléchi sur les problématiques médicaments en Haïti. Donc, sur le secteur pharmaceutique là, en général, avec toute notre partie pour notre nous discuter, échanger et planifier pour nous assurer que nous avons une meilleure utilisation de médicaments dans le pays. Bon. Et l'association, malheureusement, n'est pas dans une situation côté celle qui prend décision, mais l'association est capable d'identifier les problèmes, discuter et proposer des solutions à toute l'autre partie pour nous. Et tout le monde qui prend décision, tant que MSPP, ministère du Commerce, ministère de la Justice, donc nous capable de discuter et faire des propositions. Bailler pression, faire pression sur les ministres pour prendre responsabilité et pour prendre décision qu'il faut. Okay. Voilà, on dit association des pharmaciens d'Haïti, c'est ça? Association des pharmaciens d'Haïti. C'est bien, nous sommes bien contents que pharmaciens regroupent en association. Et ceci, toutes les fois que professionnels regroupent en association, la plus facile pour défendre le droit et faire promotion de ça que vous présentez. Et dans le cas, ça, on a parlé de médicaments. Mais nous avons l'impression, pharmacien, est-ce qu'on peut parler, expliquer fanatique, qui rôle en pharmacie? Qui sont pharmaciens fait dans le système de santé? Ok. Donc maintenant, un pharmacien, il dépend de qui côté que lié. Et qui orientation que le gagne. Par exemple, au départ, si tu es pharmacien, tu es pharmacien généraliste. Okay. Mais si ou son pharmacien industriel, ou pas la production, ou pas travailler dans l'industrie pharmaceutique, parce que ou t'es orienté ou bon t'es spécialisé vers pharmacie industrielle. Mais si ou son pharmacien hospitalier, donc ou son pharmacien qui parle travailler dans le milieu hospitalier. Côté où on va l'occuper de approvisionnement, de gestion médicaments, de utilisation médicaments qu'a fait dans l'hôpital là qui gens que l'a fait. Donc on parle dans comité du médicament qui est là pour faire sélection médicaments qu'a utilisé dans l'hôpital là de ça ou son pharmacien hospitalier. Mais à l'intérieur de spécialité que les pharmacies hospitalières là, tu peux être pharmacien clinicien. Donc être pharmacien clinicien, c'est quelqu'un qui va travailler dans les dossiers du patient. Regarder les médicaments, les doses, les possibilités d'incompatibilité, les possibilités d'interaction médicamenteuse. Donc, pour discuter avec le médecin, pour assurer qu'on optimise le traitement qu'a bien pour faire patient qui dans l'hôpital, pour patient qui dans l'hôpital ça. Donc ça c'est pour pharmacien clinicien. Mais au cas un pharmacien de santé publique. Donc on travaille dans le ministère de la santé publique, on s'occupe de décisions qui a prend par rapport à genre utilisation politique pharmaceutique a fait dans le pays ça. Donc, il y a plusieurs champs au capable de pharmacien d'officine. Pharmacien d'officine, c'est pharmacien qui est dans la pharmacie de la place, pharmacie communautaire, qui a servi clients, patients, par le conseil qui peut utiliser les médicaments, exécuter prescriptions, etc. Donc, vraiment, ça dépend de l'orientation qu'on a en termes de pharmacien,
qui pour expliquer qui ça gagne comme rôle ou comme mission. Il y a une question que je me pose. Donc association ça lui-même, est-ce que li pa gen un contrôle sous et normalement sous pharmacie qui a fait? OK, mais ça qui passé? Et médicaments qui gagne dans pharmacie parce que des fois médicaments qu'on est périmé et puis yo style continue à vendre. Et le plus souvent médicaments dans un bocal, moun nan qui vient acheter médicaments ou pas gain droit comme si m'ta dit pour ta ouais date expiration ça c'est non petit papier ou mettez le pour ou. Mais est-ce que association ça lui-même il prend contrôle toute bagarre ça? OK, c'est une très bonne question et faut moi dire que association des pharmaciens ou l'association des médecins ou l'association des infirmières, ça reste des associations. Malheureusement, ce ne sont pas des ordres. Parce que si c'était des ordres de pharmaciens, ordres des médecins ou des infirmières, ou qu'a fait plus exigence, ou qu'a mette licence professionnelle en jeu, ou paquet de bail qu'a fait. Mais en tant qu'association, ou vraiment ces pressions qu'a fait, ces conseils qu'a bail, ces solutions qu'a proposé, mais ou pas qu'a bail sanction réellement. Mais les gens qui placent, qui pour bail sanction par rapport à la problématique, ça par rapport à ça pour citer là, comme qui représente un gros danger, c'est le ministère là. C'est le ministère de la Santé publique qui gagne à travers ses inspecteurs, à travers la direction du médicament, DPM, direction de la pharmacie, du médicament et de la médecine traditionnelle, cette direction ça en dans le ministère de la Santé publique qui est occupé de ça, lui-même qui doit faire inspection, qui doit avoir autorisation pour la pharmacie fonctionner et qui peut décider tout s'il a fait mon pharmacie. Donc ça c'est DPMMT qui a une mission ça. Nous même en tant qu'association, bon côté, nous sommes partenaires de DPMMT, nous cap là, nous bail conseil, nous orienter, nous identifier problème, nous proposer des solutions, nous définir perspective ensemble, mais en réalité décision c'est pas nous même qui prend. Exactement, moi vraiment apprécié réponse là, mais gen un autre bagarre comme ta remet comme si ou même ou dans domaine là, moi même pas dans domaine là, voir ou qu'arriver plus loin et passer moi-même, OK, comme si on a association jondian ou kabay ou ka parler ou ka ba un conseil, mais faut que nous t'apprend et en charge de moun k'ap vann et dans pharmacie yo. C'est toutefois moun nan li même bon sot dit tout à l'heure gen pharmacie pharmacien clinicien. C'est pas c'est comme ça? Yeah, pharmacien clinicien. Tant kou gen moun li même qui fait 5 ans même k'ap étudier, mais gen moun ki pa étudier du tout. OK, yo juste fait en pharmacie, yo al vendre médicaments. Donc si m'ta vle ajouter ton bagage, nan tout ça bien, c'est bien. Est-ce que le mal non pharmacie, parce que ça vle dire, moun ki recevoir m'nan, ki prend prescription nan même, ki pour aller exécuter prescription, ki moun liye. Et ki moun liye. Moi comprends une question. Donc normalement en Haïti, tant que j'en dis, moun nan a vendre médicaments non pharmacie. Mais c'est pas ça qui fait nos pharmacies qui respectent les normes. Pas pour dire que moun a vendre médicaments nos pharmacies. D'ailleurs, moun ki la ki nan pharmacie ça, li gon formation pour le gagner. Parce que pharmacien li même par exemple qui nous a pharmacien responsable pharmacien de service nos pharmacies, bon côté li gon ensemble de techniciens en pharmacie. Donc technicien en pharmacie ya, c'est de auxiliaire du pharmacien, c'est de assistant lié pour pharmacien qui pour aider. C'est pas n'importe qui moun qui levé un bonjour là camper nos pharmacies et puis qu'a n'est que prendre médicament ba moun. Donc là principe pas respecté d'ailleurs. On a d'accord. Là on a parlé de pharmacie légale et de pharmacie illégale. Ça n'a pas de sens. Dans un pays automatiquement quand on parle de pharmacie légale et pharmacie illégale, gon problème, c'est pharmacie tout court. Et pharmacie, et puis on respecte les normes. Voilà. Donc, lors de la pharmacie, où je vois un monde, n'importe qui vient, qui a écrit son sachet, qui a bon médicament, etc., c'est parce que l'État n'a pas pris responsabilité, li, qui fait que nous arrivons dans cette situation, ça, qui fait que c'est entre nous, d'accord? Si que pas de contrôle, il y a des conséquences. Correct. Donc, conséquence la bien ou la fait dégâts sous vie moun sous vie patient. Exactement. Bien sûr. Mais si ça c'est le cadet du souci de l'État, donc à ce moment-là moun a victime, yo pas gen problème. Donc c'est quitter le marché. Nous gen un cas là, pas oublier ça t'a dit. Et moun nan li même li gen un fait qui rentre dans piel et puis li pas gen connaissance comme si m'ta dit dès que fait à rentrer dans piel pour ta courir à l'hôpital pour ta pour premier soin parce que dès que fait rentrer dans piel faut qu'on prend et médicament tétanos ça yo avant 3 jours
et bien ça moun nan fait pharmacien moun k ap vann nan pharmacie hein li bal et médicament pour infection dès que le bal médicament pour infection et puis il a empiré parce que c'est médicament pour tétanos il était besoin est-ce que ça me dit là qu'on y a là moun vie moun nan en danger parce que tétanos a gétan envahi tout ça c'est une négligence que et qui pas ta supposé fait pour pas comprendre voilà. Parce que c'est ça me saute dou là moun nan k ap vann nan pharmacie li même li pa konnen li pa gen yon idée de moun k ap vini parce que gen c'est pas tout moun k a l'hôpital gen des moun c'est juste al nan pharmacie et puis tout yo di am gen tel bagay la ou pa gen médicament pour tel bagay bon moun ki nan pharmacie ça qui prend décision ça pas dans place li parce que pharmacie effectivement tant que j'en souligne là patient pas besoin rendez-vous pour aller en pharmacie. Donc pour aller au médecin, il a pour rendez-vous. Mais pharmacie c'est une le pharmacien, c'est l'un des professionnels de santé très accessible. Exactement. Donc l'homme on a gagné pour ça fait pharmacien lui-même, le pharmacien, c'est pas quelqu'un qui va prescrit ou pas quelqu'un qui vient, c'est pas quelqu'un qui vend, c'est pas un vendeur de médicaments. Donc le pharmacien, quand le patient arrive, il y a échangé, un interrogatoire qui fait évaluer problème là. Et le pharmacien connaît qui ça doit faire et qui ça pas doit faire. À ce moment-là, le pharmacien connaît, il va conseiller le patient pour l'orienter. De manière à ce que le patient ça recevra soin que cal nécessité. Correct. Donc, un vendeur de médicaments, quelqu'un qui est dans la rue qui vend des médicaments, quelqu'un qui est derrière une boutique qui vend des médicaments, donc, il n'y a pas de souci ça. Le pharmacien a gagné. D'ailleurs, il va faire serment pour ça. Tout. Le pharmacien, il a fait un serment qu'on appelle le serment de Galien. Donc, qui fait le connaît qui ça le doit faire et qui j'en doit aider patient pas de gens utiliser connaissance li pour lui faire mon mal. Okay. Donc pas attendre que devant de ça ou t'as pas le joindre au comportement ou résultat en pharmacie t'es cabaye. Donc d'où l'état doit prendre responsabilité. C'est l'état. C'est l'état parce que d'ailleurs si on aller dans notre pays côté normes respectées ou pas jamais joindre n'importe monde camper dans pharmacie. Où il vient dans pharmacie? Un par exemple, n'importe qui pays, la Jamaïque, bon, Jamaïque, bah les États-Unis, bah les Canada, sélection haïtienne est allée jouer un match Jamaïque, t'as gagné plusieurs teams, monsieur, dans les sélections, t'as gagné un problème malaria. Dadou Jean, bah, c'est médecin. Monsieur a décidé de faire des matchs pour faire traitement malaria pour ces monsieur, là, nous, pharmacie, là, chercher chloroquine. Pharmacien dit, désolé, il va ramener. Malgré toutes les démarches qu'elle fait pour dériver jeune chloroquine, elle dit non, allez faire une consultation, elle vient avec une prescription pour parler chloroquine. Exactement. Mais elle a d'accord, même Haïti, là, sur besoin de chloroquine, on descend dans la rue. Chloroquine là. Seulement. Bon, je prends comme exemple. Donc, on a besoin de toute bagaille. Donc, c'est que les normes ne sont pas respectées, les principes ne sont pas respectés, il y a des conséquences pour le gagnant, et conséquences, c'est qu'il y a une pile victime qui n'est pas documentée, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas de données, ça ne nous intéresse pas, on ne fait pas de recherche. Donc, mon ap mouri, on s'en fout. Justement, c'est ça, oui. Ou bien, nous avons un jeune haïtien, une jeune haïtienne, et puis un bon matin, il tombe bébé mourir, et puis, vous comprenez? Il n'y a pas de l'autre bagaille. Exactement. Et vous, peut-être, on va aller t'acheter dans la pharmacie, on a des médicaments, un médicament qui est expiré, ou bien un faux médicament, qui cause qu'il y a un problème. Mais avant d'aller plus loin, on va se dire là, moi, nous juste passer sous l'île, mais nous faisons un petit retour sous l'île. Ou t'es pas les deux, nous n'avons pas qu'à parler de pharmacie légale. Pharmacie illégale, fondateur de pharmacie tout court. Mais tout à l'heure, on parle de médicaments. Médicaments sont produits chimiques. Et par définition, tout produit chimique, c'est poison. Voir médicaments que vous avez pris, vous avez un médicament, vous avez un médicament conservé, vous avez une façon pour traiter les médicaments. Tout à fait. Une pharmacie qui est illégale, son l'esprit, son pharmacie qui n'a pas réuni les conditions, puis qui a une licence pour fonctionner. Et n'a pas qui condition n'a pas condition pour gérer pour traiter médicaments qui sont cas dit sous pharmacie légale bon, qui gagne dans pharmacie illégale sur pharmacie qui pas gagne autorisation ministère là donc s'il pas gagne autorisation ministère là c'est parce qu'il pas respecté conditions voilà donc conditions par exemple si prenons les normes de stockage correct ou les normes ou une température de conservation de produits qui doit respecter. D'ailleurs, si moi j'ai un médicament qui m'a demandé pour me conserver entre 2 à 8 degrés Celsius, si me conserver dans l'autre température, ça fait pas que me pas le même produit que me comprendre. Dénaturé. Produit que comprendre mais gagne, c'est pas l'éclat encore. Oui, ou pas contre ça lié. Mais pas contre ça lié et malheureusement, ou pas le vendre monde pour sale pailler. Oh mon dieu. OK. Donc, norme n'a pas respecté. Ça c'est les normes de stockage. Pour ne pas exemple. Le problème, puis il y a le conseil qui associé
à utilisation de médicaments. Donc là, mon rive dans pharmacie ou je n'importe qui monde dans pharmacie là, m'bon garanti conseil nécessaire pour joindre qui pour accompagner utilisation médicaments sont pas joindre. Donc le fait qu'on pas joindre conseil ça yo, est capable déboucher sur un mauvais usage. Et qu'on pas joindre résultat quoi pas attendre de médicaments ça, mais il capable déboucher sur un danger tout. Parce que ou capable faire un mauvais usage ou utiliser deux médicaments en même temps qu'on pas d'utiliser en même temps et puis il vient une mauvaise conséquence sous. Correct. Donc bon, finalement donc tellement gain problème. Non. Monsieur Saint-Jean, c'est sérieux. Monsieur Saint-Jean. Non, n'a pas de médicaments. C'est toujours même bas là, oui, non, docteur. Non, bala sérieux. J'en parle, hein, ça veut dire que bon gagote généralisé, bon désordre total en matière de gestion de médicaments et en Haïti. Moi, je pense que sous ce dia-là, sous l'IPA, il y a un débat. C'est que quelqu'un soit responsable, qu'on pas responsable, nous tous d'accord. Que problème médicament en Haïti, gagote qui gagne médicament en Haïti, nous sommes d'accord. Donc, quelque chose, pas grand monde qui a campé, battre l'estomac pour dire que bon, moi-même, moi travaille, pas de problème ça. Nous sommes d'accord que gagne. Bon, pendant que nous disons après ça, moi-même, j'ai fait expérience avec un ministre qui passait déjà. Il a dit d'emblée que problème médicament en Haïti, vente illicite de médicament en Haïti, c'est dossier pour monde qui n'a pas chaleur. Donc, s'il dit que c'est dossier pour monde qui n'a pas chaleur, donc, moun ça c'est pas lui-même. On comprend bien. Comprenez ça. Non. Donc, problème médicament, son problème qui mérite chita. Mais, m'a regardé la République Dominicaine, avant elle, m'a regardé Medina, président de la République Dominicaine, là, qui s'est inauguré, ça fait 500 pharmacies, qui ont fait pharmacie du peuple, qui ont eu les pharmacies du peuple, qui ont des normes, qui respectent les principes, qui est pharmacien là-dedans, qui pour là pour servir la population. Mais, tout le monde connaît, allez dans le DPMMT, là, dans le ministère de la Santé publique. Si vous pharmacie illégale, vous ne pouvez pas rentrer dedans. Non, vous ne pas respecter pharmacie illégale. On fait des exigences aux pharmacies légales. Mais pharmacie illégale. Illégale, vous ne pouvez pas rentrer là-dedans. Ben, vous ne pas supposé fonctionner. Ah, c'est justement, fermé. C'est fermé. Donc, vous ne pouvez pas rentrer là-dedans. Donc, bon, on met rapporter autant de cas possibles. Tout ce qu'on est qui arrive déjà, les gens qui sont victimes de médicaments, rapporter, ou relayer, ou expliquer, ou proposer, etc. Ça ne bouge pas. Maintenant, si ça ne bouge pas, on doit être d'accord que gon ne. OK. On côté pas la bloquer. Gon ne, on côté le bloquer. Est-ce qu'on a mais maintenant côté le bloquer ça, faut qu'il y ait un monde qui pour moi elle. Mais monde ça, tout monde pas moi. C'est vrai, on décide de mettre c'est histoire du chat et de la souris. Donc et toute souris qui fait assemblée et que on d'accord, solution que nous causer chat là c'est mettre cloche dans coule. Tout sourit d'accord sur ça. Mais c'est qui sourit qui va le mettre cloche là. Mais voilà le problème du médicament en Haïti. Donc maintenant, c'est ça qui est le problème. Monsieur Ernst. Monsieur Saint-Jean. Docteur prescrit un médicament. Mais tout côté malé pour m'acheter médicament, ça, son médicament qui vraiment relié. Je si joindre ni dans une pharmacie. C'est un médicament qui mette le nom de bye. Moi-même, par expérience, pas m'connais comment bagay yo en Haïti. Avant m'boire médicament, m'juste prend médicament, m'pese l, li fait pouch. Oui. Et ça qui arrive à médicament ça et effectivement capable c'était médicament, capable c'était comprimé. Mais le fait que li mal stocké, température de stockage là permet de désagréger. Donc structure chimique, structure moléculaire produit ça. Détérioré, il passe à l'étérier encore parce que la température de conservation pas respectée. Ou imagine si vous ne pas de garder des boules qui s'est passé. Bon, plus de mal privé parce qu'il y a ce qu'on appelle les débris et de la dégradation. Maintenant, il peut transformer le vin n'importe qui bagaille. Ou bien qu'on capable de prendre, c'est comme si on ne prend rien. Ok, et conséquence maladie, pathologie, elle a toujours continué. Faites sans problème parce que dans la tête, pas penser quoi traiter, on ne peut pas prendre rien. Correct. Donc c'est le bail qui c'est tout danger ça qui gagne avec problème médicament dans pays là mais vraiment gagne un monde qui acheter un médicament il dit miss m'acheter médicament ça me gagne une infection me dit ah ou gagne infection faut qu'on à l'hôpital pour te ca prescrire parce que ou pas connaît qui j'aime qui en cause quand il y a là il dit comme ça ah il y a là où il prend médicament yo bal médicament ça l'aime garder médicament moi ouais c'est pour monde qui fait asthmatique. Bon et pour histoire ça faut me dire que nous même au niveau de l'association donc en pile cas qui relaté
Moi j'ai deux cas côté ARV AZT 3TC, il y a vendre comme pour B complexe. Oh, nous gagnons un riff en piscine que qu'on habitué vendre pour stimulant sexuel. Bon, ça porte son nom, riffam. Quand on dit riffam, donc tu vas rire de la femme. Okay. Donc ça fait riffam, mon marketing qui bien chita comme ça. A besoin de jour, comme la fête. Ça, donc on envahit. Mais c'est pas pour ça lié. Bien sûr, riffam piscine c'est pour traiter la tuberculose. Yeah. Mais maintenant, avec le nom, nèg cap fait business là, il joue sous nom et puis fait monde vendre acheter. Donc c'est pour me dire que en pile cas comme ça, en pile cas moi déjà côté acyclovir à vendre pour n'importe qui bagaille. Moi ouais déjà côté à prison ton doxycycline son comme un médicament miracle qui a fait ceci, qui a fait cela. Donc mon a pas acheté. Donc si ou même mon bus là, c'est vrai moi ça qui arrive Moïse là, il décide de retirer le peuple de l'esclavage, leur ils vont leur dire au soif ils besoin manger, besoin boire, le Moïse pas capable de manger, ou le soulever contre Moïse. Yeah. Dans le bus ça, si ou même ou gen mal réagit. C'est pas, pas bon. Pas comprendre ou pas le problème avec vendeur là. Pas comprendre moun qui a vendu pas le problème. C'est tout le public qui a pas dit empêcher malheureux vivre. C'est tout le public qui a pas dit comme ça. Mes amis, on sort toujours craser bon moun. Est-ce que tu comprends? Donc c'est pour me dire que le problème est complexe. Le problème est complexe. Nous même ça nous toujours proposé pour résoudre le problème médicament dans la rue, c'est faire moun changer activité. L'homme dit faire moun changer activité là, qui j'en pour faire? C'est que si moi gagne groupe moun sa m'bay une période m'di bon gen un mois pour tout moun k'ap vann médicament dans la rue pour tes stock vini un mois ou pour tes stock la vini nous évaluer li si li vaut 100 goud m'bon 200 goud ou ap change activité mais nous fait un mois pour nous faire ça après mois ça ne pas prendre nouveau vendeur non après mois ça c'est fini pas gen médicament dans la rue si m'je nou moun dans la rue on est désolé. Parce que tout le monde qui est dans la rue, nous avons résolu le problème déjà. Nous saisissons le stock, nous baillons, nous doublons le prix et la valeur stock et le stock. Là. Donc maintenant, nous ne pouvons pas avoir de nouveau monde. C'est une bonne approche. Donc, ou si... Ou de ka baille l'État haïtien et l'idée ça au gain. Parce que ça, c'est une idée de cap gaspillé. Nous avons bouqué Dili, nous avons fait nous échanger. L'État attend de nous là. L'État attend de nous là. Donc, les responsables attend de nous. Donc, c'est une belle idée. Vraiment, tant que je me suis parlé tout à l'heure avec le docteur Alexis, aux États-Unis, on connaît qu'en 2017, il y a 72 000 personnes qui sont mortes dans les opioïdes. Mais nous-mêmes, nous ne savons pas combien de personnes sont mortes. Nous n'avons pas de données. Ça n'a pas intéressé, nous n'avons pas fait de recherche. Parce que déjà, pourquoi on est qu'un dossier, un sujet intéressé, on l'État, on a commencé à chercher des données sous lui. Parce qu'à partir de données, on va prendre des décisions. Mais si, on n'a pas cherché des données sous lui. Donc, ça n'a pas intéressé. Oh my God. So, médicaments, et émission aujourd'hui, on parle de médicaments, pour les médicaments, et comme d'habitude, chers téléspectateurs, nous portons pour un monde qui connaît, un monde qui est dans le domaine, pour capable partager bonne information avec nous. Les médicaments sont bien importants, et tout le monde utilise les médicaments. Et je ne veux dire, en Haïti, il y a un problème sérieux avec les médicaments. Les médicaments, supposé vendre côté qui fait pour ça. Les médicaments, pas qu'à vendre dans la rue. En Haïti, on vend toute qualité gagote. Les médicaments, qui a transformé en n'importe qui ça, un médicament que tu as supposé conserver dans le réfrigérateur, entre 2 et 8 degrés Celsius par exemple, ou je l'ai dans la rue, en bas soleil. En bas soleil. Yeah. Et avec soleil là, il y a une transformation chimique, soit acheté, ou par contre salié. Ça qui est évident, soit pense que tu as acheté un médicament, ce n'est pas ça qu'on a acheté. Ouais, le cap vino, bah, toxique. Poison même. Mettez vie en danger. Yeah, c'est comme ça que tu tombes, bip, tu mourir. Ouais. En tout cas, ça c'est pour mes approches pour résoudre le problème médicament. C'est vraiment un gros problème médicament dans la rue. Mais moun yo pa moun yo pa moun ka vendre médicament dans la rue, pas faire médicament. Son côté au joindre médicament. Bon, m'a pour dire ça me toujours dit dans toute émission que me passé. Correct. Moun wè dans la rue c'est pointe iceberg là. Son petit morceau tout petit dans iceberg là, puis gros partie iceberg là li en bas de l'eau. Parce que moun qui dans la rue a, yo gen le fournisseur. Le bon côté ou approvisionné. Et bon garanti si vous touchez moun bien la rue, c'est pas ti malheureux touché. Ah alors, bon? Y a touché tout parce que l'on veut ou non, y fait cob yo là-dedans. Mais moun k'ap fait cob là, c'est fournisseur. Donc c'est moun k'ap approvisionné yo. Donc c'est ça qui explique que li assez difficile comme ça pour l'homme ça résoudre.
Sinon, bon, garantie, si effectivement c'est le petit malheureux qui t'a défendu dans la rue, ça va d'après. Problème est résolu déjà. Donc, il y a de gros mains qui derrière, il y a de gros bras qui derrière activité ça. Mais mon Dieu, gros bras ça, qui derrière activité ça. Il y a dans notre pays, il y a qui gens ça fait, il y a un homme respecté, il y a un principe respecté. Et n'importe qui monde capable victime. N'importe qui monde capable victime. Et donc, le mot dit n'importe qui monde capable victime si n'a touché problème. Parce que là, nous gardons des problèmes misérables dans la rue. Rapidement, une autre question que nous avons touché, c'est faux médicaments. Parce que faux médicaments, qui est capable de dire que les médicaments sont faux médicaments? Donc, un faux médicament, c'est un médicament, par exemple, yo bon on étiquette ça qui est écrit sur étiquette là c'est pas lui même réellement qui est médicament. OK. Nous jeune ça avec ça qui était passé l'année dernière avec clarithromycine. Oui. Donc sous boîte là il était écrit clarithromycine mais en réalité comprimé yo c'est le comprimé de metformin et gliburide. OK. Donc local prend clarithromycine on fait traitement pour le H pylori problème de stomac ou rien associé avec le bah, traitement problème gastrique ou rien et puis c'est gars dehors gars des mon a tombé en hypoglycémie mon a convulsé il a couru l'hôpital ensemble avec yo et puis là étant parce qu'on a une possibilité tout cap fait petit contrôle le gars des sous médicaments le gros code qui sous lui l'on fait recherche sous code là pour essayer mettre formé avec gliburide comme on a recevoir donc ça c'est un faux médicament donc mon yo prend deux médicaments qui expiré yo prend yo réétiqueté yo. Et puis qu'on a eu mettre le sur marché pour mon effet cobli. Donc là on même pense que c'est amoxicilline quoi boire. Et puis en réalité que c'est par exemple métoclopramide. Parce que mon a juste mettre une étiquette pour le faire cobli. Donc ça montre que l'État doit intervenir poser problème là et pour résoudre problème là c'est le monde qu'on a pas même qu'à imaginer qui des activités ça. Pendant vous parlez de médicaments périméa. Si toutefois et m'gen un médicament là, l'aim garder sous boîte médicament moins well expiré jodi en exemple. Est-ce que m'ka boire médicament ça ou du moins ça après combien de temps c'est utiliser médicament. C'est une très belle question, mais tout de suite avant que moi répondre question ça, m'vle souligner que faux médicament les rapporter en pile. En année 2016, on a eu à dire que ça rapporte 200 milliards de dollars l'an. Dans le monde. Okay. 200 milliards de dollars l'an, soit 25 fois plus que la drogue. OK. Pour qui ça? Parce que généralement, il y a plus focus sur la drogue là. Et puis ça trafiquant yo, criminel yo, yo change activité. Yo connaît gain moins pression, gain moins loi qui empêche yo faire activité ça, gain moins contrôle sur ça. Et puis yo passer dans faux médicament. Et ils font pile comme là-dedans. Ils ont moins de contrôle. Donc, ils font plus comme. On est qui décide d'aller dans l'héroïne avec 1000 dollars. Ils ont fait moins de scope que s'ils investissent 1000 dollars américains dans les faux médicaments. C'est prouvé, c'est documenté. Donc, ils ont parlé dans l'héroïne, ils ont une grosse pression sur lui, ils ont contrôlé tout le bagage. Ils ont fait plus comme. Et puis, ils ont moins de risques. Ils ont moins de Est-ce que comprendre? Donc maintenant c'est pour me dire que problème faux médicaments c'est un gros danger. Maintenant, pour me dire on va périmer. Bon, rapidement on va faire différence entre un médicament périmé et expiré. Rapidement. Un médicament expiré, c'est un médicament donc date de péremption, date d'expiration est dépassée. Mais médicament périmé, il est capable expirer le périmé. Date d'expiration peut qu'on passer, mais s'il pas respecte les normes de conservation yo, médicament périmé. Mais date d'expiration, le regard est toujours de 2025, etc. Mais le fait qu'elle pas respecté les conditions de stockage, le médicament ça périmé. Maintenant, si mon médicament qui expiré, médicament ça a deux courants de pensée. Parce que un médicament expiré, c'est un médicament qui perdu 10% de son efficacité. Ok. Un médicament qui fait qu'expirer, il perd 10% de son efficacité, mais chaque temps a passé sous lui, l'a diminué. L'efficacité a diminué. Donc maintenant, c'est ça qui explique tout. Des fois, quand un médicament qui a à peine expiré, il y a un courant qui est d'accord qu'on utilise lui parce que c'est seulement 10 à 15% de l'efficacité qui est perdu. Ok. Mais il y a deux médicaments que ou pas doit faire pour lui parce que l'a expiré, débris de dégradation ni contre toxique. Par exemple, les cyclines, tétracycline, doxycycline, automatiquement ce qui s'est expiré, il ne faut pas utiliser. Ok.
toujours tendez yo di comme ça que si médicament expiré c'est après 3 mois le fini net. Mais comment, justement, c'est ça. Donc ça m'explique là donc le médicament fait expirer, il perd 10% à 15% de son efficacité. Mm-hmm. Parce que ça pour nous comprendre, c'est comme une machine. Mm-hmm. Donc machine là on va utiliser chaque jour qui passe, la diminuer. Yeah, donc médicament automatiquement que sorti chaque jour qui passe, la diminuer. Autant que la pas proche de date d'expiration, efficacité la diminuer. Okay. Donc ça clair. Mm-hmm. Encore une fois, on a rappelé tout le monde que on a parlé de médicaments. Médicaments sont bas qui très très important et en Haïti nous avons souhaité que comme si autorité yo prend vraiment ça au sérieux parce que nous pas tant que monsieur Saint-Jean dit nous pas gain donné pour nous connaître combien monde qui mouri dans dossier dans bagage médicaments ça faux médicaments médicaments qui expirent médicaments qui périmé pharmacie bon là nous dit pharmacie gain des côtés malé monsieur Saint-Jean Mislan comme si en bas en pied bois mon ami ton en bac avec les médicaments gien mon dans la rue qui a marché avec panier mais gien mon dans ou bien dans petit espace vous comprenez chaleur etc. et puis mettez bac là et puis la vente de médicaments et puis l'on prend loi santé publique loi peut-être parce qu'on loi sur pharmacie li dit mais comment en pharmacie supposé constituer si eux appliquer seulement 25% de la loi de 1955 qui dit mm-hmm. qu'il y a pratique pharmaceutique là doit faire madame qui problème ça 25% seulement parce que les lois sont là m'a d'accord avec que loi ça il désuète il mérite réajuster réadapter mais il est là mais il est pas appliqué pas de même à 5% non affaire médicament dans la rue loi résout problème ça un monde qui a vendre médicament dans la rue il risque 3 mois à 1 an de prison non t'as. Donc c'est clair bon côté qui non, écrit en écrit, non loi écrit clairement dans la loi de 1955 un monde qui a vendre médicament dans la rue il doit prendre entre 3 mois 1 an de prison et il gagne amende pour le bail bon amende nous connait il fait longtemps il pas gros cob oui. Donc mais il gagne 3 mois 1 an de prison non mais c'est ça OK non pas laisser donc non non il pas respecter il pas respecter ça me pas comprendre mais nous gagne nous l'état mais ça pas doit étonner ouais ça me doit étonner mais ça pas étonner sous passer bon ministère santé publique ou une gagne machine qui prendre médicament devant ministère santé publique voilà donc ça pas doit étonner parce qu'on comprend donc c'est machine là donc tu pour me dire que donc et au cas bien envie déplacer machine là et vous je n'en coûte de fil il faut faire attention il y a un malheureux qui se débrouille. Il ne faut pas déranger ce malheureux-là. Et puis derrière ce malheureux, donc, il y a un grand heureux. Oh si tu comprends, donc ce n'est pas facile. Donc ce n'est pas facile. C'est très difficile de ces médicaments. Mais il faut qu'ils résoudent. Mais il faut qu'ils résoudent. Même si ce n'est pas facile, il faut qu'ils résoudent parce que c'est le monde qui a mouru. C'est le monde qui a victime. Le, ça arrive. Même il y a des cas. Il y a des cas côté, monde ou prescrit un médicament, monde est sorti. Là, il veut nous pas soit traité ou pas traiter rien parce que ça va bailler mon pas rien ni pas rien exactement. Et puis d'ailleurs c'est une question de conscience pour un pharmacien tant pour moi même mm-hmm. Nous sommes professionnels nous font serment gagne de bagarre pas gain droit là-dedans ouais faut médicament ça pas facile si par exemple il y a des monde qui décide bon on pas de dire là pour monde qui décide à faire des autres pas faire des autres mais on a question ça farine pour décider faire gélule pour remplir gélule avec farine et puis belle étiquette bon informatique là belle étiquette belle boîte tout le monde soit amox et il a décidé de vendre chaque gélule un goutte ou bien deux gouttes pendant que amox a vendu 5 gouttes ou 10 gouttes il a fait plusieurs millions de gouttes et le bon soit pour médicament farine bon farine bon nèg ça qui bon farine là on pense à traiter on pas traiter rien mais il y a monde qui bon de bail qui cap qui grave toxique qui a des effets à des trous etc. Donc c'est pour me dire que c'est un gros danger et puis d'ailleurs nous avons pile médicaments qui sortent en République dominicaine mm-hmm. qui ne respectent pas les normes qui passent n'importe qui gens si ou médicament mm-hmm. médicament c'est une affaire d'état correct si ou un problème avec un pays ou bal opportunité pour le voyer médicament dans le pays ou li ka fon n'importe qui bagarre li ka détruit population ne décide pas par exemple il décide pas pour un bail qui automatiquement que mon prendre mon tomber non mais li baoul pour gon effet sur le long terme qui a pas de problème est-ce que comprendre c'est par exemple actuellement la grande alerte qui baille sur ranitidine ranitidine il a remarqué que les substances là dedans qui est cancérigène bon l'homme dit ranitidine là c'est sous molécule sous matière première qui fait empêcher de l'eau de ranitidine qui te gagne problème
Donc maintenant, eh bien, alerte ça qui baille sur produit ça. Si imaginons on côté tu as décidé produit médicament pour vous parce qu'il y a un problème ensemble avec vous, en puis mettons substance cancérigène là-dedans. On mais comment ça attaque population là? Donc regarde, regarde ouais, 10 ans après 10%, 5%, 2.5% de la population commence à faire cancer. Vous venez pas à comprendre ni, mais si vous comprenez un pays ça, il vous remédie en bas, on peut mettre en substance cancérigène là-dedans. Correct. Et donc c'est une affaire d'État, médicaments. Entendez-moi, pendant dit ça, vous m'avez oublié, c'est un scandale, pas sur qui pays, non? Côté que on passe ces États-Unis même, en tout cas la boîte entre États-Unis, un médicament que vous avez besoin d'essayer. Et puis, yo créé maladie, pas créé non, yo inoculé virus là. Ouais. Yo propager virus dans un pays, hein, et puis vient un médicament comme solution. Oui. Comme médicament pas de bon, monde commence à mourir et puis scandale là éclaté. Oui. Pays ça m'a dans son pays gain contrôle tout. Mais en Haïti, il n'y a pas de contrôle. Ah, est-ce que nous connaissons combien de médicaments ils viennent essayer sous nous là pendant dire l'autre pays a fourni médicaments comme des produits cancérigènes. Parce que un médicament avant de sortir, il y a tout un processus. Avant que pour autorisation puis vendre li, il y a tout un processus. Moun k ap fè médicament lui-même, gon phase li rive, faut laisser le sous monde. États-Unis, yo gen doit inviter, yo paye, puis essayer médicament sou, signer un papier, signer un contrat, ça que yo pas responsable, son médicament ap essayer sou, yo faut comme ça. Son pas expérimental. Mais des fois ou konnen l'homme, yo pas gen comme si contraint début joine ouverture, yo envahi. Mes amis, en Haïti, nous ne savons pas combien de médicaments que vous essayez ou non? Oui, par exemple, pour le comité d'éthique dans la matière de production de médicaments, donc pour évaluer, c'est que et pour une autorisation de mise sur le marché, vous avez un paquet d'étapes effectivement pour franchir. Voilà. Et il y a une étape pour arriver obligé d'essayer sur le monde. Correct. Parce que vous faites étude pour garder efficacité, mais on fait étude pour garder innocuité. Pour garder est-ce qu'il prend poison, est-ce qu'il n'y a pas de problème. Bon, vous faites étude d'innocuité d'abord, après vous faites étude d'efficacité, vous faites sur le monde. Vous faites sur bête, après vous faites sur le monde. Mais le comité d'éthique a exigé que si on a fait là, on est supposé connaître qui c'est la rentrée. Exactement. On n'a pas de droit soudoyer, on n'a pas de droit balcon pour forcer le rentrer. Il faut qu'on ait l'estime que la participer dans ça, c'est parce qu'elle voulait aider à résoudre un problème qui gagne. Mais en Haïti, nous connaissons la situation, elle est difficile. Si déjà, on dit, ah, si on participe dans ça, et on a deux sacs du riz chaque mois. Ou ka étonné pour valer moun ki pou être aller pour participer dans l'expérience ça. Donc c'est vraiment problématique, c'est ça que moi insister et moi vous dire encore, l'affaire de médicaments c'est une affaire d'État. Donc et ça comme toujours dit problème médicament ça pour le résoudre en Haïti, faut président de la République, faut premier ministre embarquer. Sinon pas résoudre. Oui, nous pas et autre chose par exemple au Bénin. Tu as un problème comme ça? Président a mis tout poil en balance parce qu'il était sensibilisé par rapport au problème, ça, il a résolu le problème. Mais sinon, ça va être nous très difficile. Nous parlons de solution, yo, mais il y a un autre aspect, comme dans l'abordé dans l'émission, et il faut le public comprendre ce qui a passé. En France, en Europe en général, les médicaments retirés sur le marché après 20 ans. Oui. Ça veut dire que même le médicament fin produit, il y a une autorisation pour vendre. Il y a toujours à suivre médicament. Pharmacovigilance. Voilà. OK? Et après un certain temps, si vous remarquez que un effet secondaire, parce que des effets secondaires qui pas paraît tout d'un coup, qui prend temps pour paraît. Médicament ça toujours à l'étude. Et là vous remarquez que après 20 ans, un problème qui est présenté avant que le président de la population, il est retiré sur le marché. On a été côté que nous pas même contrôler mon gavon médicament. Donc on peut imaginer qui dégâts, qui problème, qui ça cap fait. Actuellement, en Haïti, on a un embryon de service de pharmacovigilance parce qu'il y a environ une dizaine de pharmaciens qui font une formation en pharmacovigilance au Maroc. Avec le ministère là, il a essayé de mettre un service de pharmacovigilance. Parce que la pharmacovigilance, là, effectivement, comme je vous ai expliqué là, même si le produit a une autorisation de mise sur le marché, ou toujours à suivre le produit. Médecin capable de rapporter un bagage sur le produit. Voilà. Pharmacien capable de rapporter un bagage. Infirmier, quelque chose professionnel de santé. Le patient lui-même peut rapporter quelque chose sur le produit. On va aller où elle va t'attendre. Exactement. À partir de ça, si imaginons que nous avons un produit, nous constatons nos pierres de données, tout le monde a rapporté, mais ça va où est-ce que lui. Mais il faut stopper le produit. Il faut un retrait.
pour analyser, pour connaître est-ce que produit ça ou pas obligé de retirer AMM NIC, c'est autorisation de mise sur le marché. Hein. Donc c'est gain contrôle. Mais si pas un contrôle, si pas un contrôle, pas de problème. Pas un contrôle. Bon, et de toute façon, chaque ça ou dit, les gens, c'est l'État lui-même, quelque soit. Tout le monde a passé moins, nous, tout c'est l'État, mais moun qui l'État, c'est moun qui a un pouvoir, qui a arrangé un bagage, qui a fait un bagage. Moun qui dans l'État, qui a possibilité, qui a voix, qui a fait un bagage, l'elgon vote fait mal, c'est Saint-Domingue l'aller. L'elgon vote fait mal, c'est Mahami l'aller. Quand il y a un problème, petit peuple là, pas tellement intéressé, parce que lui-même, il a un côté qu'a aller. Si toutefois elle t'a prêté il pas besoin de faux médicaments il parle non pays qui organise on va comprendre problème non c'est pour nous et pour m'ajouter tout et même tout pour comprendre que toujours dit ça dans l'émission yo santé yo son bail qui est important c'est le plus important pour vous ou pas qu'à quitter le sous conseil de monde surtout en Haïti qui pas qui irresponsable. Nous-mêmes, comme citoyens, il faut qu'il y ait des actions, il faut qu'il y ait des barres avec un café. Nous-mêmes, dans Haïti, nous faisons ça pour nous faire. Nous mettons pour le nom de nous. Il y a un problème sérieux de médicaments en Haïti, médicaments mal gérés, médicaments dans la rue, pharmacie illégale, pas de contrôle, pas de surveillance. Ça, c'est nous-mêmes qui sommes victimes. Moi-même, nous-mêmes, famille, nous. Ou bien même si ce n'est pas vous personnellement, parce que peut-être vous attendez l'émission ou suspendre ou changer de comportement, mais quand on proche, on petit tout, on mamie, on papi. Qui est victime. Ça veut dire que c'est important, ça concerne nous tous. So, il faut nous commencer à prendre conscience nous-mêmes pour nous suspendre pour acheter des médicaments dans la rue. Il faut aller dans la pharmacie qui est légale pour nous acheter des médicaments. Et il faut nous faire des groupes de pression. C'est l'État pour responsabilité. Tout à fait. C'est tout nous qui sommes victimes. Tout à fait. Nous ne pouvons pas comprendre que nos pays, côté que citoyens, nous comptons sa balle, nous ouais sa balle. Et bien, c'est nous-mêmes qui avons contribué pour nous détruire santé nous. Parce que l'on dans la rue, ou paye moun nan pour acheter médicaments, soit acheter un silic pour aller tout yo, silic pour aller bon complication. Et ou d'accord pour acheter, ou paye pour lui encore. Faut nous suspendre le comportement ça. Ou paye pour détruire vie. Justement, en tout cas, M. Saint-Jean, c'est ton plaisir pour nous avoir là. Un dernier mot pour fanatique yo. Bon, n'a conseillé tout le monde, et vraiment pour t'expliquer là, pour y avoir un appel avec l'État, n'a demandé pour dirigeants yo, pas responsabilité yo. C'en est trop. On parle en pile de problème ça. Nous tous conscients de lui. Là, nous chita n'a parlé dans la réunion. Nous tous avons parlé. Même gens, nous tous avons parlé. Même langage, nous tous avons expliqué le problème. Même gens, montrant que nous tous conscients du problème. Okay. Mais maintenant, là, nous venons une phase côté nous obligés de prendre une décision pour nous résoudre le problème. Non. C'est là le bas blesse. C'est là que nous pouvons occasionner un résultat. La population, nous demandé pour changer d'attitude, changer de comportement. Voilà. Ou monde qui n'est pas habitué à acheter des médicaments dans n'importe qui côté. N'importe dans la rue, dans la pharmacie illégale, on demande pour toujours qu'il y ait une attitude, ça, toujours qu'il y ait un comportement. Ça. Mais on dit qu'on fait ça, on demande pour changer de comportement. Vraiment, c'est difficile. Moi, je dis à la campagne, je ne suis pas obligé de dire pharmacie illégale, pharmacie illégale, parce que l'État met dans une situation, je ne ça. Mais vraiment, faire le plus que possible, parce que c'est difficile. Je connais l'urgence, on courir, et c'est le second qu'on prend pour aller lisse, pour garder les pharmacies légales, pharmacies illégales. Ce n'est pas tout le monde qui lit, ce n'est pas tout le monde qui a accès à la liste, ça tout d'ailleurs. Donc c'est très difficile, mais vraiment, essayer de faire des recherches, acheter des médicaments, côté habitué, acheter et assurer une côté habitué, acheter, c'est le côté qui est légal. Parce que il y a une pharmacie en Haïti, il y a une pharmacie qui est légale, il y a une qui respecte les têtes, qui fait bon, qui met des bonnes pharmacies à disposition. Non? Maintenant, en tant que monsieur Saint-Jean-Dil, c'est où cap contribuer à ce que phénomène ça les prend extension parce que si mon cap vend dans la rue pas jamais vendre médicaments bon garantie il pas continuer vendre dans la rue justement par contre secondaire on va dire bon pas vraiment gain rien m'a juste dit et amis yo juste et continuer garder SOS Haïti parce que dans SOS Haïti n'a connait tout ça pour nous faire et m'a dit et monsieur Saint-Jean merci parce que jodi an émission ça lui-même était vraiment basé sur affaire et médicaments qui c'est un problème dans pays hein? OK m'espérer l'état lui-même li tande nous parce que nous connaît émission ça lui-même la privé loin et dans oreilles chaque grain monde chaque grain autorité qui gain possibilité qui ca faire qui ca changer ça correct c'est bien dit donc merci c'était on l'autre émission que nous même dans travers sur ça Haïti nous te porter baou. Jodi on te parlé de problèmes médicaments qui gagnent dans la rue qui sont médicaments par définition c'est poison voire le mal conservé le mal vendre avant encore son danger qu'avant encore plus grand pour la population
encore une fois, nous porter des conseils bas autour, nous dire que pour les médicaments, ça, ou même, ou on parle de responsabilité, il faut suspendre acheter des médicaments dans la rue, il faut suspendre acheter des médicaments qui sont dans la pharmacie illégale, il faut chercher des côtés qui sont normaux, qui sont corrects pour pouvoir acheter des médicaments. Et puis nous lançons un appel à l'autorité autour, mes amis, font gens avec les phénomènes ça, avec pratique ça. Nous pensons qu'il n'y a pas un bar qui est bon du tout pour citoyens, pour haïtiens, haïtiennes qui vivent en Haïti. En tout cas, merci en pile pour petit temps à côté accordé nous. Nous espérons côté apprendre, nous t'étendons nous pour mettre des conseils en pratique. Nous avons l'autre pour l'autre belle émission SOS Haïti.